Quand moi j'ai fini de voter à chose, j'ai fini de voter à l'école 2, c'est là maintenant j'ai un ami, il m'a appelé. Il dit, ah mon frère, si vous avez fini de voter, de la manière dont je vois les jeunes bêtés là, la situation n'est pas bonne. Bon, il faut appeler les gens, ils n'ont qu'à venir à nous, renfort pour qu'on n'a qu'à sortir. Sinon, position là, moi je vois, c'est pas bon. Et j'étais assis devant la cour du chef. Le chef même est parti voter. Après les ressortis, ils les ont vus, mais ils n'ont rien dit. Bon, maintenant, nous, on était là. Quand moi, j'ai fini de voter maintenant, quand je voulais venir, je voulais partir à l'école une pour aller voir ce qui se passe là-bas. C'est là, maintenant, je suis parti trouver le jeune. Question, il voulait, après l'explication de mon frère qui m'a appelé parce qu'ils étaient là-bas, qu'ils ont fini de voter. Là, il m'a expliqué maintenant. Ah, voilà, c'est le jeune là. Il dit il veut voter parce que j'étais plus de 3-4 personnes. Il dit il veut voter. Je m'appelle Bakazavi Evaris. Je viens de Zipriyan. Je fais taxi moto.
Le grand frère, il s'appelle Golbigoul. Il est de l'Agrota. C'est lui qui m'a pris pour dire on n'a qu'à venir à Téhiri pour venir chercher ses parents. C'était un matin. Moi, je lui ai dit, ah, comme il y a la guerre là-bas, on ne peut pas rentrer. Donc, on n'a qu'à s'arrêter, qu'il ne faut pas on va venir. Il dit non, qu'il a appelé la femme là, que la femme a dit qu'il n'y a rien. Et c'est cela, on est arrivé. Quand on est arrivé, c'était au cimetière. J'ai croisé les gars là-bas. Ils ont une machette, et puis caillou et fusil. Comme vous dites, les gars, c'est qui? Les gars, c'est qui? C'est les Doula là. Ok. Donc, moi, j'ai pris frein. Et je lui ai demandé embêté pour dire, ah, tu n'as pas dit que c'était libéré, mais il y a les gens. Donc, on fait comment? On se retourne. Il dit, non, que c'est les bêtés. J'ai dit, non, ce n'est pas les bêtés qui sont là. Mais de toute façon, je les vois là. Ce n'est pas bêté. C'est là que j'ai tourné la moto. Quand j'ai tourné la moto, comme lui, il avait mal au pied, je lui ai dit, il faut monter. Il dit, bon, attends, comme c'est les bêtés, je vais causer eux et on va passer. Parce que nous, on ne vient pas de Téhiri. On vient de Zipriant. Donc, je vais les parler comme ça. Il dit, ah, vraiment, ceux-là, de toute façon, ils sont là. Ils ne vont pas accepter. Donc, il faut monter. Il ne veut pas monter. Et c'est là, les gars-là sont venus à tasser nous. Et de là, même quand j'ai allumé la moto, comme il avait mal au pied, il ne pouvait pas monter. Donc, il s'est arrêté. Et moi, je suis allé un peu devant. Et devant là-bas, il y a les gens qui étaient couchés dans les trucs cacaoyers là. Et ils ont commencé à crier, ne fuyez pas. C'est là, il dit, moi, je vais partir. Et c'est comme ça, j'ai démarré pour aller. Arrivé à un. Comment le village là? Oui, beaucoup. J'ai croisé les gendarmes et je lui ai dit, ah, on avait un grand frère derrière nous, mais les Doulas l'ont pris. Et c'est cela, on est là jusqu'à entièrement. On ne gagne pas. Et comment il s'appelle lui qui... Il s'appelle Golbigoul. Okay. Voilà, il s'appelle Golbigoul. Depuis samedi 31 à aujourd'hui, vous n'avez aucune nouvelle de lui? Ce matin là même, c'est ce matin là, aujourd'hui, à 7h. Aujourd'hui ce matin. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pris. D'accord. Et qu'est-ce que les gendarmes vous ont dit? Bon, depuis là, les gendarmes là, on est allé chez les chefs de Doula. Mm-hmm. Et ils disent non, ils vont finir d'enterrer leur corps d'abord. Et puis ils vont voir ce qui est là. Et maintenant, le gendarme vient d'appeler là-bas et il dit non, ils n'ont pas encore vu le gars là. Okay. Donc, nous, on compte aller chez nous à Zipriant. D'accord. Donc, vous pouvez nous présenter, monsieur? Bon, je suis Mamadou Bakayoko, oui. Le chef Maléke Atéri de la Doula. Ok. Donc, alors, l'événement d'hier, matin, on s'est levé, on allait pour les votes. Et tout d'abord, on a fait passer les femmes. Ils n'ont pas venu à la maison. Moi, mais j'ai voté. Ouais, c'est ça. Dans lequel là, il y a eu un jeune qui est venu tout d'abord. Le jeune là, on dit ces choses, le neveu de Désiré, lui qui s'occupe de la sous de fille ici. C'est lui qui est venu, il dit il est venu voter. On dit donc, il n'y a pas de problème. Oh, il s'est mis en ligne. Un moment, il a quitté, il est allé voir dans l'autre bureau de vote, et puis il est revenu encore. Il est revenu, bon, il veut faire parler avec les gens, moi, mais je lui ai demandé pardon. Même celui qui dit, ah, il faut te calmer, il dit, il faut le laisser. Lui, il a eu pour lui. D'abord, ils étaient déjà prêts pour nous attaquer. Un coup, ce même jeune-là est rentré dans le bureau de vote, et puis il a pris chose. En tant que. Il y a un qu'on appelle Watao. Je vais revenir un peu en arrière. À un moment, il y a eu un peu de palabres entre nous ici. Lui que j'appelle Watao, c'est lui-même qui a percé un jour aussi avec le couteau. Donc là, on a déjà parlé ça. Ce jour-là, on nous a dit que ce groupe-là, ils vont les arrêter. Ça n'a pas été fait. Donc, hier, c'est les mêmes encore qui sont venus nous attaquer. Mon frère, il ne fallait pas être là. Quand ils ont commencé avec les cailloux, les bois, en même temps, machette devant le bureau. On a un frère, Dieu merci, il a attrapé son bras. Ils ont lutté jusqu'à bon. Ils ont arraché la machette là. Et en venant, on a entendu coup de feu. Bon. Il y a un petit qui a été blessé par balle. Actuellement, je crois qu'il se trouve à Bayota. C'est deux.
Deux. Bon, et c'est tout. Et puis il y a un petit aussi qui a été blessé par chute. Ici là, ils ont pris là, machette. C'est là nos frères sont rentrés. Quand ils sont rentrés maintenant, les gars français sur nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se venger. Donc, les jeunes sont rentrés maintenant. En tout cas, à part ça, moi, je suis venu à la maison ici. J'étais un chef, on m'a dit de ne pas bouger. Je n'ai même pas demandé pardon à quelqu'un. Donc, on est sûr ici, là. Vraiment, il y a eu beaucoup de dégâts, sincèrement. Les jeunes sont rentrés sur nous qui ont provoqué l'affaire. On ne sait même pas s'ils ont été retrouvés ou bien ils ont fui. En tout cas, ils ont fui. Mais vous voulez dire que le jeune qui vous a provoqué voilà, a fui, c'est ça? Ils ont fui. Les jeunes de là sont rentrés. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Ce que je peux vous expliquer. C'est un chef, c'est ça qui est là. Mais ce qui est sûr, c'est eux qui ont commencé. Okay. Ils ont commencé avec Caillou. Moi-même, il y a Caillou qui m'a eu aussi. Mon fils était là, il y a un Caillou qui l'a tapé, juste ça, il est tombé. Vous avez été blessé, vous? Bon, je n'ai pas été blessé. Dieu merci. Je n'ai pas été blessé. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et en venant à la maison, on a attendu coup de feu. Donc, tout le reste, les jeunes, ceux qu'on a appelés, je peux vous expliquer. Le coup de feu que vous avez entendu, vous pensez que ça vient de qui, le coup de feu que vous avez entendu, ça? Le coup de feu qu'on entend, on entend que ça vient de Bayou. Ah. C'est un vieux de Zorogo, il est non loin ici. Oui. Non, mais. Carrefour, quand tu quittes à l'école, premier carrefour, j'étais là, je l'ai dit, moi-même j'ai vu plusieurs, il a fait premier tir. Donc, il y a un buté qui est allé voter avec nous, il s'appelle Zorobadi Alexis, quand il a fini de voter, il dit, ah, ceux-là, de la manière dont ils sont là, je vais aller les parler, faut pas ils vont battre. Il est allé là-bas, puis il est revenu. Bon, j'étais là, j'ai vu Zorobadi devant leur porte là, et puis il est rentré où il y a les bananiers là. Il est rentré là-bas, il est ressorti. Il dit quelqu'un a tiré sur nous. À ce moment-là, nous-mêmes, le gouvernement n'était pas encore suffisamment sorti. On était encore dedans, on était en train de faire, on était en train de dire les gens, sortez. Donc, dans ça là, moi-même, j'ai vu fusil avec un bail. Et j'ai vu aussi, Ludovic, le chef de ce quartier, derrière lui. Il disait que trop c'est trop. Aujourd'hui là, on n'a qu'à faire. Donc, moi, je suis venu à la maison. Et quand les autres vont venir, c'est qu'ils vont ajouter. En tout cas, depuis hier, je crois vers les 11h ou bien 12h, tout est calme. On est là. Donc, peut-être que c'est ce matin là, on a entendu qu'il y a du renfort qui vient encore. Il y a des mécénaires qui viennent vers Bugo. En parlant des renforts. Renforts de qui ça? Bon, que c'est les choses étaient. Oh. Donc, ça a soulevé encore le monde. Ouais. On a vérifié que c'était trois personnes. Bon, les trois personnes, les gendarmes ont eu intercepté deux qui pourraient pour aller vers Bugo. Ils sont avec eux. Il paraît que les jeunes du là ont pris un.
je ne sais pas, je me suis renseigné, bon, je n'ai pas d'informations. C'est lui qui demande. On fait le rang. Ben, tant qu'il est derrière, dès que lui est venu, en même temps, lui qui est devant, il dit, il s'est mis devant lui. Ils ont essayé de parler, parler. Bon, c'est là, mon frère l'a dit, ah, comme c'est comme ça, il faut le laisser, il va voter. On ne veut pas d'histoire. Il faut le laisser, il va voter. Après encore, il a quitté dans le bureau de vote, là, il est parti dans un autre bureau de vote. Là-bas encore, il est parti faire le tapage là-bas. C'est là, mais, ah, mon frère, il y a quoi? Si tu veux voter, là, il faut voter, puis tu vas quitter. Mais si tu ne veux pas voter aussi, là, faut que, là, j'ai un frère aussi, lui dit, ah, bon, faut laisser le type là, il a parlé sans malin. C'est là, dit, pourquoi le monsieur lui a dit ça? En même temps, les autres là sont venus. Il y a deux encore, il y a un qui s'appelle Koshokotoa, c'est pas. Ils sont venus encore. Un peu encore, il y a d'autres qui sont. Il y a un encore, lui s'appelle 12. Lui, il est venu encore. Ah! En même temps, l'autre là, il voulait venir prendre chose là. La caisse. C'est là, mon frère lui dit non, tu bouges pas à la caisse. Ils se sont tirés. Le premier mec qui faisait les va-et-vient là, les dégâts là, déjà il avait machette. Dès que moi je suis arrivé sur le lieu maintenant, je vois en même temps il a fait sortir la machette. Il voulait découper le truc, bureau, le truc, la caisse. C'est là j'ai un frère, lui il a pris la caisse. Quand lui il a pris la caisse maintenant, ils ont su détruire une caisse. La deuxième là, on est sorti avec ça. Dès qu'on est sorti avec ça là, voilà les pieds de. Les cailloux, les trucs, comment... C'est là que je suis parti trouver mon président là-bas, le président des jeunes. J'ai dit, ah, président, où ça est là, il faut partir à la maison. Président des jeunes, il ne faut pas t'arrêter devant les pieds là, c'est pas bon. Allons-y. Dès que nous, on dit que allons-y là, on a attendu un coup de fusil. La part d'un monsieur qui s'appelle le vote passé là. T'as vu, non? Quand ils sont venus, on a essayé de parler. Même les vieux. Les vieux, même s'ils sont dépassés, venus nous voir pour nous demander pardon. On a accepté. Et puis encore, on vivait maintenant. On dit qu'il faut plus que ça en cas se répète. Bon, on dit même les jeunes là même, ils ont fui. Ils ont fui même, ils ont quitté les choses. Avant la boîte même, les jeunes étaient les morts. Oui, c'est ça, je viens à la parole. C'est là maintenant, les vieux sont venus nous demander pardon. Nous tous on accepte. C'est notre tuteur. Mais ils vont te demander si tu ne peux pas dire. On accepte. Ah, maintenant, on était là. Les jeunes là, ils ont quitté le village. Quand l'élection est proche, le vote est proche maintenant. Et tous sont venus. Et tous, on les appelait tous. Ils sont venus. Quand ils sont venus maintenant, on était là. Le vendredi, à la veille de l'élection, il y a une délégation qui est quittée à Abidjan. Quand lui il est venu, on dit c'est un mutuel d'Abidjan. Il a envoyé ici. Il est venu nous réunir, la jeunesse. Moi, j'ai représenté le chef, en tant que le chef du quartier Manipo. Moi, j'ai répété. Ils sont venus nous parler. Et plus jamais, il ne faut pas que ça n'a qu'à se répéter encore. On n'a qu'à vivre ensemble, il ne faut pas qu'il y ait des dégâts. Lui qui ne veut pas voter, il n'a qu'à rester à la maison. C'est ça, il nous a dit. Gars, c'était Guy Chouros, il y avait des trucs en bas. C'est ça, pour ça, nous on est partis sans, on est parti tellement qu'ils ont parlé, on veut la paix entre nous là. Bon, nous on est parti sans arrière-passé. Hein? Sans arrière-passé. C'est là qu'on est arrivé là-bas, on a vu maintenant, non. C'était pas ça, franchement dit. Voilà ce qui s'est passé. Il a pris gaz là, il y avait 5 bouteilles de gaz. Il en a fait 2 Je sais pas comment il y a ça. Je sais pas, il va aller, il va aller. Il m'a tué. Bon, ben, il a vous rentrez en brousse? Non, on rentre en brousse, on peut plus dormir à Théry. Mais la gendarmerie qui est là? Ah, la gendarmerie est là, la gendarmerie va venir dormir dans notre maison. Il n'y a personne dans le village. Ils ont tout brûlé le village, donc on ne peut plus dormir ici. Donc on s'en va ailleurs où il n'y a pas brûlé. Si on arrive là-bas. Donc les autres villageois ont déjà fui? Nous tous on a fui, il n'y a personne au village. Il n'y a personne ici. Hein? Moi je ne veux pas dire qu'il a dormi ici, ils ont cassé toute ma maison. Donc je ne veux pas dormir là-bas. Hier là on m'a macheté comme ça. Ils ont pris ma chaise pour couper mes bras. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Un vieux est dans ce quartier là-bas.
s'appelle Bali. C'est là maintenant, tout le monde était ménagé en même temps. Ça perturbait tout. Et tout le monde s'est cherché. Parce que nous, on est parti sans quelque chose. On est parti, on dit on va voter pour venir. C'est là maintenant. Ah, où ça, ça est là? C'est pas facile. On n'a pas reculé. Parce que, on a vu la machette avec d'autres. Les pieds là sont là. Comment on va faire? Il faut replier. C'est là qu'on a replié maintenant. Deuxième repliement maintenant. On a attendu encore un coup de fusil derrière nous aussi, que quartier Balakou. Ça fait deux. C'est là les parents ont dit, ah, où ça est là, là? Les gens, on n'a qu'à replier. Mais dès qu'on replie, les gars font sur nous. Ils font sur nous. Ah, mais on a nos parents qui sont derrière nous aussi. C'est là maintenant, on est venus maintenant. Quand ils sont venus maintenant, les parents maintenant, ils ont foncé sur elle, les pierres et tout d'actifs. Tout ce qu'on peut prendre pour nous, on défend aussi. Franchement, il faut parler aussi un peu ce qui est la vérité. Mais on n'a pas pris fusil. Hein, vous avez pris quoi? Nous, on a pris les choses, hein, le gourdin, et puis on a la machette. Donc, quand le vieux il a tiré maintenant, il y avait deux jeunes qui étaient arrêtés. La balle est venue les prendre ici. On a les escortés en même temps pour les envoyer dans le quartier. Voilà pourquoi tout a été niam maintenant. Devant une foule, un chef là, il ne peut pas maîtriser. En tout cas, tout le monde s'est défendu de la manière qu'il peut se défendre. Voilà comment les filles, la pluie est venue. Merci. Un jeune maintenant, le jeune quand on est parti faire l'enterrement dessus, il était le premier mort. T'as vu, non? Quand ils ont fait la paix, c'est un jeune. Comment il s'appelle le jeune? Bon, franchement, je ne connais pas son nom. Parce que comme je ne le maîtrise pas trop, voilà, c'est un jeune, c'est un fou. Okay. En même temps, dans le cafouillage, là, ils ont pris le petit là. En même temps, mon fils était par là. Quand ils ont macheté là, en même temps, ils l'ont tiré plus de. Vous avez dit quoi? Monsieur Blaïma Bakayoko. Ok, on a dit. Chef, secrétaire du chef Doula à Téhéré. Pour le samedi matin, nous tous on s'est levés, on dit on va aller voter. Bien avant qu'on va aller voter, on a vu des jeunes. Et puis le jeune en question qui avait la machette même, il est venu d'abord à Doulabou ici. Quand il est venu à Doulabou, il est venu sionner le lac avec son oncle. Son oncle lui qui a des sauts d'ici là. Voilà, ils sont venus tous les d'abord. Après, ils sont repartis. Il y avait deux bureaux, deux lieux de vote. École 1 et puis école 2. Moi, je votais dans école 2. Nous, moi, j'étais là-bas. En même temps, il y a des frères qui étaient dans école 1 là-bas. À ce moment où, le moment où ils ont commencé à voter maintenant, on a vu les jeunes bêtés maintenant. Ils venaient maintenant, les petits bouts. Pour envoyer dans leur quartier là-bas. Quand ils ont envoyé dans leur quartier, il y avait une fosse là-bas. Ils l'ont mis dans un sac et puis ils l'ont jeté dans la fosse là. Tu as vu, non? Oui. Quand on est parti voir, non, c'était pas facile. Quand ils l'ont jeté là-bas maintenant, nous on ne savait même pas même. C'est après, avec ça, cette heure comme ça, où il était avec un petit, c'est là, lui, il commence à pleurer. On lui a demandé, il y a quoi? Il dit, non, j'étais avec mon frère. Ils l'ont pris, jusqu'à présent, je ne le vois pas. Parce qu'à ce moment, c'était chaud. À ce moment même, il y avait des tirs de fusil. C'est là que j'ai dit non, ou actuellement, là où ça est là, c'est pas actuellement, on ne peut pas faire quelque chose, il faut te calmer. Si ça maîtrise, la situation est maîtrisée, là maintenant, on cherche une solution pour ça. La situation est maîtrisée maintenant, on cherche. Le soir, on les a repoussés. Quand ils ont fui maintenant pour entrer en brousse, c'est là maintenant, on est parti où ils ont pris le petit. On a vu trace maintenant. Ils l'ont tiré jusqu'à partir de le mettre dans la fosse. T'as vu, non? C'est là, mais quand on a vu ça maintenant, bon, nous, on ne pouvait pas le faire. C'est là, on a appelé la gendarmerie tout. En tout cas, on a appelé la gendarmerie. La gendarmerie, les gendarmes qui étaient là, eux, ils n'ont pas pu nous maîtriser. Il y avait quatre gendarmes. Quatre gendarmes n'ont pas pu nous maîtriser. Et puis, quand ils sont partis, ils sont partis. Après, il y a la gendarmerie. Là-bas, je suis allé au lieu, bon, je ne les ai pas trouvés. Celui que je demande, lui, il dit, c'est pas lui qui était en ville ici. Donc, voilà ce que je vais expliquer.